Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sous la chaîne de Monsieur le Russo 225. Voilà, donc je voulais m'excuser par le temps que je mets pour pouvoir faire des vidéos. Sachez que c'est un peu plus complexe que ça, donc j'essaie que vous me compreniez et vous savez de quoi je parle. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous planter encore une bouche de date. Voilà, et pour ceux qui me suivent, ils savent que le date programme, c'est quoi? C'est une organisation qui est répandue dans tout le monde entier. Voilà, donc ils sont partout dans tous les pays et ils octroient des bourses aux étudiants pour pouvoir faire des cours partout et réaliser leurs rêves. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui, il y a encore des bourses et sachez que les dates limites vont dépendre des facultés et puis des universités que vous allez choisir. Voilà, et donc ce que vous devez faire, c'est juste trouver la bourse. Voilà, le pays aussi. C'est en même temps la bourse et en même temps le pays. Et comme ça, vous allez postuler à l'intérieur de ces institutions-là. Et ainsi, vous allez pouvoir obtenir votre bourse et aller y étudier. Voilà. Donc, n'oubliez pas, même si vous êtes en Côte d'Ivoire, partout où vous êtes, voilà, vous pouvez obtenir la bourse dans votre pays. Voilà. Ils peuvent vous envoyer cette bourse dans votre pays. Vous allez étudier tranquillement et sans problème. C'est eux qui gèrent. Voilà. Donc, sachez que chaque fin du mois, l'étudiant a des exonérations, c'est-à-dire l'étudiant a de l'argent chaque fin du mois, voilà, et c'est eux qui gèrent tout cela. Donc pour cette bourse, vous allez étudier. Si par exemple la faculté que vous devez choisir, vous avez choisi et la bourse se trouve dans un pays étranger, voilà, c'est eux qui gèrent aussi votre billet d'avion, tout en tout. Avec date, c'est toujours une bourse qui est totale, voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, donc on va aller un peu plus vite. C'est juste une information que je vous donne. Vous allez prendre ces informations-là et vous allez postuler. Et une fois que j'ai un peu de temps, je vais faire une vidéo pour postuler moi-même pour vous montrer comment ça se passe. Voilà, donc ici, je vais venir dans Study and Research in Germany. Ici, voilà. Je vais faire une vidéo un peu courte pour que tout le monde ait au moins l'information. Et une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez prendre par exemple comme ça International Programs, voilà, dans un premier temps International Programs, ou bien ici All Programs in Germany. Vous pouvez prendre ici, voilà, All Programs in Germany. Ça dépend de vous, comment est-ce que où vous voulez étudier. Ceux qui veulent étudier là-bas, qui veulent étudier où ça, en Allemagne, voilà, vous pouvez choisir ici. Voici les programmes qu'ils étudient, qu'ils enseignent là-bas, voilà. Et n'oubliez pas, en ce qui concerne la langue, vous n'avez pas besoin de certificat. Voilà, c'est sans certificat. Et une fois que vous arrivez sur place là-bas en Allemagne, les cours sont en anglais et en German. Donc vous allez apprendre 6 mois de langue anglaise, au moins apprendre le minimum, et 6 mois ou bien 6 mois de langue germane. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir des certificats, mais si vous l'avez aussi, c'est une bonne chose pour vous. Voilà, donc voici un peu les facultés qu'ils enseignent là-bas en Allemagne. Donc c'est à vous de voir. Je vais mettre en français comme ça. Vous allez voir un peu les facultés là. Ok, donc si moi je viens ici et que je prends par exemple mathématiques, sciences naturelles ici par exemple. Ok, ça existe. Donc je prends informatique administrative, frais de scolarité, rien. Ok, et degré, c'est quoi? Degré, ils ont mis célibataire, mais ça c'est la traduction qui fait. Sinon c'est pour eux, la célibataire, c'est la licence, voilà. Donc voilà, donc je choisis ici, je choisis par exemple ici informatique administrative, ici comme ça. Et tu vas ici et vous allez voir, un instant, je vais mettre en français, en anglais plutôt, français n'existe pas. Donc vous allez voir ici ici degré bachelor, vous voyez bachelor, et la langue d'enseignement c'est quoi? C'est German. Et vous allez faire 7 semestres. 7 semestres, c'est la licence. Voilà, donc ici voici les éléments d'admission. Vous pouvez venir ici pour voir comment est-ce que vous allez faire l'admission. Pour faire l'admission, c'est très simple. Voici le site de l'admission, vous allez cliquer ici dessus et comme ça vous allez faire pour chaque faculté. Voilà, voici le site de l'admission. Vous cliquez sur le site de l'admission, vous venez là, vous venez voir ce qu'il y a ici. Et vous essayez de chercher l'admission et en même temps la bourse. Voilà. Donc voici un peu information sur la candidature pour semestre d'hiver 2021-2022. Candidature pour un baccalauréat, candidature pour un master,
Voilà, donc je considère que candidati avec certificat demande avec certificat, voilà ceux qui ont un certificat, voilà, demande de semestre supérieur de carrière. Donc je considère que je viens pour la licence. Voilà. Donc ici, le portail de candidature de l'université de sciences appliquées pour le semestre de 2021-2022, début de semestre, le 1er novembre a été activé. Le 1er 9e mois a été activé. Voilà, les dates limites sont pour les cours de restriction d'administration au 31 juillet et pour les cours sans restriction d'administration, c'est le 1er septembre 2021. Voilà, donc vous êtes déjà prévenu. Donc, ici, si par exemple vous voulez postuler comme ça, vous pouvez venir là vers le portail de candidature. Voilà, ça c'est pour la licence. Maintenant, pour le master, c'est ici. Donc, si moi je viens pour la licence, je vais cliquer là. Et puis je vais voir ce qu'on me demande, je remplis et puis il y a en même temps la bourse qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc c'est ici, je vais mettre en français. Dans les normes, vous ne devez pas activer parce que quand vous activez ça, vous avez décidé d'étudier et souhaitez en savoir plus sur rien. Ok, page d'accueil. Maintenant, ici, candidat. Voyons voir. Ok, donc ici, voici les étapes. Si vous voulez vraiment postuler, je vais faire une nouvelle vidéo. Comme ça, vous allez voir comment ça se passe. Donc, si vous voulez vraiment postuler, voici ce qui se passe. Donc, comment ça se passe? Lorsque vous allez postuler, vous allez avoir l'admission. Et une fois que vous avez l'admission, vous allez prendre ce code-là pour pouvoir postuler à la bourse. Donc, ici, candidature en ligne. Vous ne pouvez postuler qu'en ligne. Veuillez noter les dates limites. Ok, voici date limite. Maintenant, information détaillée sur le cours offert. Les candidats de l'étranger. Les candidats titulaires d'un diplôme d'étranger. Étranger, donc vous lisez bien ici. Doivent postuler via une assist, quelle que soit votre nationalité. Vous pouvez trouver les délais ici. Et la candidature en cours de ça. Donc ça, c'est pas un souci. Donc ici étape 1. Vous avez d'abord besoin d'un code d'accès. Vous recevez un accès d'inscription par email. Veuillez inscrire par email pour avoir l'accès. Ici, étape 2, sélectionnez le programme d'études souhaité et ajoutez vos informations personnelles, le champ obligatoire, en astérisque. Veuillez également noter le texte. Nous vous attendons avec patience dans l'université. Ici, enregistrez-vous et sélectionnez vos données personnelles. Donc, vous allez ici. Vous enregistrez et sélectionnez vos données personnelles. Ils vont vous envoyer un mail. Voilà, vous allez postuler pour l'admission. Voilà. Et une fois que vous allez vous enregistrer, ils vont vous envoyer un mail. Vous allez postuler pour l'admission. Et après l'admission, maintenant, vous allez chercher la bourse qui va avec. Voilà. Donc, dans un premier temps, une fois que vous avez fini ici, voilà. Pour chercher la bourse, c'est un peu plus simple. Donc vous venez ici encore. Je vais repartir sur, voilà, ici pour ceux qui souhaitent avoir une bourse. Vous allez revenir là, vous allez carrément repartir sur la première découverture. Voilà, sur la première découverture, par exemple ici par exemple. Un instant que je vous montre, ça c'est pour ici, c'est pour juste choisir les facultés. Donc vous allez repartir sur la première découverture. Je vous dis et je répète, c'est juste des informations que je vous donne. Voilà, je vais faire une vidéo pour vous montrer un peu comment est-ce que vous devez postuler. Voilà, mais pour l'instant je vous donne juste des informations sur comment avoir l'admission et comment postuler pour la bourse. Donc voici la bourse ici. Voilà, trouver une bourse ici. Donc ici, pour trouver une bourse, vous allez mettre, je vais mettre en français, bon je peux seulement qu'en anglais. Donc ici je peux mettre par exemple le programme, je vais faire la licence. Donc je mets undergraduate et pays d'origine, je vais mettre par exemple Côte d'Ivoire, comme ça. Voilà. Et sujet,
ingénierie de mathématiques ici. Voilà. Et intention, je vais pour étudier, ou bien je vais pour un stage, ou bien je vais pour enseigner. Voilà, donc ça dépend de vous. Moi, par exemple, je vais pour étudier et je fais une recherche. Les éléments qui vont sortir là, voici les éléments qui sortent là. Vous voyez? Voilà, donc il y a cette bourse. Il y a aussi plusieurs bourses. Voilà, donc je vais choisir une bourse. Ici, Federal Ministry of Education and Research German Scholarship. Donc, je vais cliquer là. Voilà, pour German Scholarship. Et vous allez voir tout ce que vous devez faire pour pouvoir appliquer. Donc, une fois que vous arrivez là, qu'est-ce que vous faites? Vous venez ici dans les documents nécessaires. Les documents dont vous avez besoin pour pouvoir postuler, c'est ici. Vous cliquez là. Ok, je vais traduire un peu. Donc, ne soyez pas distrait, juste voilà. Et ici, Good School and Academy Record, Social Involvement, ici Personal Story. Voilà. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez maintenant chercher à postuler. Voilà. Donc, ici, par exemple, je traduis ici. Ok. Ici, on dit quoi? Date limite. N'oubliez pas, je vous répète encore, les dates limites dépendent des facultés. Voilà. Donc ici, valeur de la bourse, c'est quoi? C'est 300 euros par mois. Voilà. Et ici, on dit quoi? Copier le lien de date. Ok. Et ici, toutes informations pertinentes, une liste d'institutions participantes est disponible ici. Vous pouvez cliquer aussi là. Ok, donc si vous avez bien remarqué, ça, j'avais déjà fait une bourse en ce qui concerne cette bourse là. Voilà, pour ceux qui veulent avoir postulé. Vous voyez que quand on clique là-bas, ça nous envoie directement ici. Et ici, on a déjà fait cette bourse. Voilà. On a fait pour cette bourse. Ça veut dire que cette bourse aussi, elle est incluse dans l'autre bourse que j'essaie de vous montrer. Voilà. Donc, si je prends un bout comme ça, je peux changer ici. Je viens là. Et je change. Je vais prendre, par exemple, ici, École de loi. Ok. Arrivé là, ça je vous avais déjà montré, donc c'est un peu plus facile. Arrivé là, vous allez sur l'université ici. Voilà, et là aussi, de là-bas, vous cherchez à faire quoi? À postuler pour une demande d'admission et aussi pour une bourse. Voilà, donc vous allez vous retrouver facilement, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà, mais je vais pas reprendre encore à postuler pour tout ça. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, voilà, je vais reprendre à postuler pour vous montrer un peu comment ça se passe. Aujourd'hui, tout à l'heure, c'est juste une information pour que vous puissiez chercher à postuler vous-même. Voilà, donc c'était un peu ça, j'ai parlé un peu plus loin pour ne pas faire trop durer la vidéo. Donc les gars, à tout à l'heure pour vous montrer comment est-ce que vous devez postuler pour l'admission et pour la bourse. À plus.